après avoir régalé les Bruxellois, chez qui Yvan va poser ses valises. Là. Écoutez, voilà ma situation. Je suis de passage à Bruxelles ce soir et j'aimerais bien faire un troc. Un lit pour la nuit contre un repas à la maison. Oui, chez moi. Bon, qui est-ce qui insiste alors? Moi. Bon, allez, la grande fille, c'est comment votre prénom? Mireille. Bon, bien, on peut tutoyer Mireille. Bien sûr. Bon, est-ce que c'est quelque chose qui te va? Ah ben oui, complètement. Je m'accuste pas, hein. Non, j'arrive non. Avec les cours, je cuisine un dîner. On a une super chambre d'amis, tu es le bienvenu. Oh, la classe, c'est génial. Alors écoute, j'ai un petit cadeau pour toi. Regarde, tu vas voir. Génial. Alors, je vais te donner ça. C'est ce que tu fais. Tu gardes, j'ai un Côte du Rhône rouge qui est super beau. Tu le gardes, tu le mets dans un coin tranquille dans la cuisine et on se le boira à l'apéritif tout à l'heure quand j'arrive. Oh ça te va? Parfait, c'est parfait. Génial. Eh ben, c'est formidable. Merci à vous. Hein. Merci. Oh, quel bonheur. J'ai quand même goûté un peu le jus. Yvan nous transporte maintenant chez Mireille pour une séance de cuisine en famille. Tout le monde sait faire en cuisine pour déguster les moules au chorizo. Merci. Tu vois, finalement, je suis là. T'es pas du baratin, t'es vraiment là. Ah oui, bah, quand même. C'est génial. Allez, t'es toute grosse. Je suis heureux chez toi, dis donc. C'est formidable. Superbe. Ah, c'est bien, dis donc. Je sens qu'on va bien manger ce soir. Bon, Mireille, on est à Bruxelles. Bon, j'adore les moules. Origine bretonne, quand même. Hein. J'étais obligé de m'intéresser à ça. Puis à Bruxelles, c'est quand même un produit emblématique. Tout à fait. Moules frites. Oh, je vois que les oignons ici en Belgique, ils sont puissants quand même. Voilà. Tu vas pleurer bien, si tu veux, j'ai des lunettes de soleil. Moi, je suis une dingue de lunettes. Vas-y, tiens, je vais essayer. Si tu peux. Bon, dis-moi, Mireille, qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi? Je suis photographe. Oh, super, dis donc. T'es une créatrice, alors? Mais oui. Oh, c'est formidable, ça. Tout à fait. Quel type de photos tu fais? Alors, je fais plusieurs types de photos, dont d'ailleurs des photographies de nourriture. Ah, je comprends, du coup, l'intérêt. Est-ce que tu aurais des épices? Oui. Par exemple, du paprika. Généreux. Ah ouais. L'idée, c'est quand même d'arriver à avoir les pommes de terre le plus croustillantes possible. Allez, c'est parti. Voilà. Oh, c'est bien. Juste comme il faut. Ah, voilà ma fille, Yvan. Eh, hey, bonjour. Voilà, c'est Barbara. C'est comment ton prénom? Barbara. C'est plaisir de te rencontrer, Yvan. Deux bisous voilà. Chez les Français. Ah, super. Nous, c'est bon. Un bisou en Belgique. Bon, bah du coup, tu viens juste pour me faire la cuisine? Non, tu viens juste pour manger, alors. Parce que lui, il me met au travail. Hein. On va manger des moules au chorizo, tu te rends compte? Ah oui, quand même. Ça, c'est insolite. Et là, regarde, j'ai mélangé le chorizo avec des oignons et l'ail. Et ça, c'est ce qui va être la base de cuisson de nos moules. Eh ben moi, j'enchaînerai en disant que c'est un peu à l'image du quartier. Ici, on est dans un quartier avec une grande mixité raciale et sociale. Du coup, ici, c'est très mélangé. Mais j'ai cru comprendre aussi que tu avais des quartiers de communautaires, tu vois. Donc tu vas aller, tu vas avoir les Africains, Côte d'Ivoire, tu vas avoir les Chinois. Matangé, c'est le quartier Matangé, africain. Matangé, d'accord. Mais ça... c'est pas comme à New York. Hein. D'accord. Mmh. Ouais. C'est à l'image de Bruxelles, c'est vraiment des petites mosaïques. Oui. Tu vois, ça va être deux rues parfois. Oui. Ça va juste être deux rues. D'accord. Bon, Matangé, c'est plus que deux rues, c'est peut-être 10, 12 rues. Matangé, c'est très important. Beaucoup de Zaïrois, mais bon, la Belgique est... était liée à Congo, l'Afrique. Congo, bon, voilà, y a... c'est une histoire quand même. Hein, et... Tu vois là, Côte du Rhône rouge, apéro réussi. Pour moi, c'est toute l'ambiance de ma région qui est avec moi. Ben, je connais les Côtes du Rhône et je me réjouis d'en boire. Avec des bons petits fromages belges. Alors, ça va être un délice. Alors tu vois ça, ça va vous plaire. Tu vois, c'est très goûteux. Ça a beaucoup de personnalité. Ouais. Pour moi, ça c'est parmi mes vins préférés. Le chorizo, les oignons. Voilà. Je vais poivrer pour finir. Ça. Ouh-ya. Regarde les premières marmites de moules. Oups là, pardon. Hop. Merci Yvan. C'est un plaisir. Ambiance sud de la France, un rosé Côte du Rhône, ou un Côte du Rhône rosé, comme on l'aime le mettre en avant. Regarde, tu vas voir ça, c'est
légèrement frais. Quel bonheur! C'est comme si nous étions dans les collines de Provence. Donc pour moi, le Côtes-du-Rhône rosé, c'est l'ambiance de l'été du sud de la France, la convivialité, le partage, le bonheur. On entend déjà les cigales, on a le soleil qui est avec nous. Goûtez-moi ça, c'est parfait avec les moules. Santé, Yvan. Santé. Bonheur. Qu'est-ce que c'est bon avec le chorizo, là ? La taille des moules, en France. Avec l'avignon, logique. Qui on a croisé ? Oh, Arnaud. Tu as mérité la plus belle chambre d'ami de l'année. Oh, c'est génial, je l'aime. Merci beaucoup. Ah, Bruxelles, ville chaleureuse, carrefour de l'Europe. Il n'y a pas que les frites qui sont bonnes ici. Les gens sont comme ça.